Hi, welcome to What is School of Languages. Today we are going to start the part two of the Comprehensive French for Health Professionals. In the part one, we had a look at the general French. And today we are starting the Health French terms. Let's quickly go to the first lesson. Basic physical exams in French. The objective is, by the end, you should be able to know the basic physical exam in French. Présentation, introduction French vocabulary. In this unit, students will learn how to present themselves in French while being at duty post or being attended to by a physician in a health center. So kindly have a look at. She's going to ask few questions, questions that you should be able to answer, or questions that you should be able to ask a patient. So health professionals, kindly pay attention. Parlez-vous français? Parlez-vous français? If a patient has come to your end, to your office, or to the health center, the first question to find out, parlez-vous français? Do you speak French? Bonjour or bonsoir, that is the after 7 p.m. Good day, good evening. Comment vous appelez-vous? Comment tu t'appelles? Quel est votre nom? These three questions are asked just to know your name. What is your name? Let's read again from the beginning. Parlez-vous français? Can you repeat? Parlez-vous français? Bonjour. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Again. Comment vous appelez-vous? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Quel est votre nom? Quel est votre nom? We continue. She's going to introduce herself. Since I'm here, I am going to introduce myself. Je suis l'infirmier for male nurse. Je suis l'infirmière for female nurse. Or, je suis le docteur Watts. I am a nurse or Dr. Watts. So for male nurses, we say infirmier. And female nurse, we say infirmière. And doctor is docteur. Je suis anesthésiste. Je suis anesthésiste. Je suis chirurgien. Je suis chirurgienne. Je suis gynécologue. Here you are introducing yourself by showing your position or your title at work. Je suis anesthésiste. Can you repeat? Je suis anesthésiste. Je suis chirurgien. Chirurgien. Je suis chirurgienne. Again, je suis chirurgienne. Or, je suis gynécologue. Je suis gynécologue. We continue. Je vais faire une anesthésie. Je vais faire une anesthésie. Je veux faire une chirurgie. Je veux faire une chirurgie. I will perform your anesthesia or your surgery. Je m'appelle Watts. You can use this to mention your name. Je m'appelle Watts. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Je ne comprends pas très bien. Je ne comprends pas très bien. Je comprends un peu. Je comprends un peu. Je comprends presque tout. Je comprends presque tout.
Je comprends presque tout. Let's read it again. Je suis l'infirmière. Je suis le docteur Watts. You put in your name there. Let's continue. Je suis anesthésiste. You repeat after me. Je suis anesthésiste. Je suis chirurgien. Je suis chirurgienne. Je suis gynécologue. Chirurgien is a male surgeon. Chirurgienne is a female surgeon. For gynécologue, male and female can use gynécologue. Je veux faire une anesthésie. Je veux faire une chirurgie. Always repeat after me. Je m'appelle Watts. Je m'appelle Watts. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Je ne comprends pas très bien. Je ne comprends pas très bien. Je comprends un peu. Je comprends un peu. Je comprends presque tout. Je comprends presque tout. All right. You continue. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parlez plus lentement, s'il vous plaît. Parlez plus lentement, s'il vous plaît. Désolé, je ne comprends pas. Désolé, je ne comprends pas. S'il vous plaît, répétez lentement. S'il vous plaît, répétez lentement. It's when the person is speaking fast. You can say, répétez lentement. This is an activity. Before the activity, let's read the words again. Est-ce que vous me comprenez? Is the question. Can you repeat? Est-ce que vous me comprenez? Parlez plus lentement, donc c'est plus. Parlez plus lentement, s'il vous plaît. Désolé, je ne comprends pas. Désolé, je ne comprends pas. S'il vous plaît, répétez lentement. S'il vous plaît, répétez lentement. All right, let's go and have a look at the activity. When you look at the activity, they say complete the passage below with the right answers. We have from the je to the end, and the answers are in the bracket. So the first one we are going to say, je m'appelle Dr. Watts. Je m'appelle Dr. Watts. You can put your name there. Je suis le docteur de l'hôpital de confort à Noche de Kumasi. Comment vous vous appelez? Moi, je m'appelle Osei Owusu, Hana Osei Owusu. Je suis malade. You don't say je suis maladie, you say je suis malade. Je ne comprends pas. Répétez très lentement. J'ai mal à la tête. Je veux faire une anesthésie. S'il vous plaît, répétez lentement. So you can read the passage or have a dialogue with a colleague or a friend just to practice. Merci et à la prochaine. Au revoir. Bye bye.